attachés à leur terre, dans les profondeurs de l'Afrique, nos ancêtres ont été emmenés à travers l'océan vers l'île de Saint-Domingue, ligotés, entassés comme du bétail sur des navires sombres et lugubres. Pendant des décennies, forcés de travailler dans des conditions inhumaines, ils ont connu le martyre et des souffrances inimaginables. Même enchaînés, ils croyaient fermement à leur droit inaliénable à la liberté. Ces étincelles se sont transformées en une flamme de révolte en 1791 contre l'oppression coloniale. Et plus tard, la bataille de Vertières fut le point culminant. Armés de courage et guidés par Dessalines, Christophe et Capoy-Lamor, ils ont terrassé l'armée française en criant « Liberté ou la mort ». Après d'innombrables souffrances, ils ont pris en main leur destin et ont écrit une page glorieuse de l'histoire, proclamant l'indépendance d'Haïti et bouleversant le système colonial et raciste. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les couleurs vibrantes de notre drapeau, nous faisons face à des défis colossaux. L'insécurité paralyse notre vie socio-économique et nos élites politiques, indifférentes aux souffrances du peuple, ne pensent qu'à leurs intérêts. Pendant que la population patauge dans la misère et la crasse, l'ingérence de la communauté internationale ne fait qu'ajouter à nos peines, sapant notre souveraineté et dictant nos choix. Mais nous, les enfants d'Haïti, portons dans nos cœurs l'héritage de nos ancêtres. Leur lutte, leurs sacrifices, leur détermination sont gravés en nous, nous rappelant que nous sommes les gardiens de la flamme sacrée de la liberté et de ce recoin de terre aux paysages somptueux, de plages paradisiaques, de montagnes majestueuses, de cascades pittoresques, un pays riche en culture et en patrimoine historique. C'est à nous, jeunes Haïtiens, de porter ce flambeau avec fierté, de relever les défis du présent avec la même résilience et la même détermination que nos ancêtres, de réclamer notre place sur la scène mondiale et d'élever Haïti à la dimension glorieuse de son histoire. Nous sommes l'espoir d'Haïti. Nous devons défendre ses valeurs, sa culture, sa fierté. Et ensemble, nous écrirons un nouveau chapitre de notre histoire, un chapitre de liberté, de justice et de prospérité. Que les couleurs de notre drapeau continuent de flotter, rappelant au monde entier que nous, ces roseaux, nous mettent fléchis, mais nous pas cassés. À l'instar de 1803, on met toute divergence avec intérêt yon bon et met tête nous ensemble pour nous penser yon l'autre Haïti.